À toi. Bonjour. Ok. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Un peu moins interrogatif. Bonjour. Pour être plus affirmé. Parce que quand tu dis bonjour de manière interrogative, c'est un peu bonjour, excusez-moi d'être là, je ne sais pas trop si c'est dangereux. Parce que tu es en train de dire à ton public, ah, je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Sauf que toi, tu veux dire à ton public, je viens avec mon sujet. Je vais travailler et je sais de quoi je parle. Donc dans ce cas-là, tu diras plutôt un bonjour, tu sais qui descend. Bonjour, ça n'est pas normal d'avoir le trac avant de passer à l'oral. C'est normal. Oui? Et pourquoi? Il y a toujours une petite appréhension. Oui. Généralement, le trac, c'est une réaction de votre corps qui vous informe que ce que vous êtes en train de faire compte pour vous. Donc le trac, c'est le meilleur moyen de vérifier que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous concerne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous, Oui, ici? oui. Ok, c'est parti. Alors, bonjour. Bonjour. Êtes-vous le poids des sacs à dos? Le poids des sacs à dos? Oui. Plus le sac il est gros, plus il est rond, plus il est rond. C'est pas facile, hein. Vous avez maintenant une pensée émue pour vos enseignants? Enfin, je sais que ça va, mais voilà, c'est. Le monde ne va pas s'aider. Alors. Ça peut affecter votre santé. On a juste à nettoyer les pommes avec un peu de vinaigre et d'eau. Mais si on retire, je sens le jus, même si je ne le fais pas. Mais vous perdez la concentration, le jus peut fuir quand vous coupez votre pomme. Non, c'est faux. Ils ont utilisé quelque chose de très facile pour pousser la voix. Est-ce que vous l'avez remarqué? Quand vous voulez pousser la voix plus loin, c'est très utile de la faire descendre un tout petit peu. Donc, Utilan, il a commencé sa phrase fort pour que, genre, on capte. Oui, qu'on se reconcentre sur lui et ça a marché pour ma mère parce que sur le coup j'ai fait. Moi aussi je dois la faire. C'est très intéressant parce que ça veut dire que le public perturbateur a été perturbé par les intervenants. Au niveau de l'ambiance, c'était pas mal du tout. Juste à un moment, vous repartiez dans votre discussion à toutes les deux et je sentais de nouveau Cyrielle qui repartait un peu. Mais globalement, il y a eu de beaux efforts au milieu et on t'entendait très bien. Je vous ai fait travailler le volume de la voix, l'articulation, l'improvisation, le fait de ne pas être perturbé par des interruptions. En gros, on a fait tout ce qu'on pouvait avec la voix. Maintenant, on passe à la suite. On va voir ce que vous allez faire. Pardon? C'est ça. Alors, un peu tout ça. Maintenant, on va s'occuper de ce que vous pouvez faire avec ce qui n'est pas la voix, avec le corps. Première chose à faire, c'est le regard. Que faites-vous de vos yeux pendant un discours? On balaye. Oui, l'idéal, c'est de balayer tout le monde. Il y en a peut-être parmi vous que ça perturbe, parfois.